Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. Bienvenue sur la chaîne de Hacking 1-99 de pronostics sportifs. Première chose, je voudrais vraiment remercier infiniment pour arriver à 10 000 abonnés sur ma chaîne. J'espère que ce que je fais, ce que j'explique, ce que je lance comme vidéo, j'espère qu'il vous plaît. Je ferai aussi le max pour avoir des informations et plus sur des conseils, etc. sur les paris sportifs et tout ce qui concerne le site OneXBet, bien sûr. Et merci beaucoup et merci infiniment. Et n'hésitez pas aussi de partager la chaîne aussi pour partager des scripts, des programmes ou des conseils ou n'importe quoi sur les paris sportifs. Et merci aussi beaucoup pour les abonnés qui étaient avec moi depuis le début de la création de ma chaîne YouTube. Bon, comme je vous avais promis il y a quelques, peut-être ça fait le mois dernier, je vous avais promis du script de Aviator avec avec l'email et le mot de passe. Bon, en tout cas, j'ai réussi à avoir l'email et le mot de passe. Je voulais vraiment le lancer il y a longtemps, mais malheureusement, ma chaîne il avait un avertissement sur les droits d'auteur. J'ai affronté quelques règles, mais bon, actuellement tout ça marche bien. Alors voilà, je vais vous donner pour le prédiction d'Aviator, l'email et le mot de passe. Mais je ne vous promets rien. Je vais pas vous dire que ça marche bien. Sinon, ne regardez pas les vidéos si vous doutez de quelque chose. Comme toujours, je reçois beaucoup de commentaires. Bien sûr, des commentaires qui sont très bien, des commentaires qui ne sont pas très bien. Et je vais justement vous dire pour les abonnés qui font des commentaires comme ça. Première chose, vous devez écouter la vidéo parce que moi je dis pas que ça marche très bien comme le triple K et aussi pour le comment dire le Apple of Fortune. Je vous ai jamais dit que ça marche à 100%. Moi j'ai justement donné les scripts gratuitement justement pour que vous soyez pas arnaqué par des autres gens parce qu'il y en a beaucoup de gens qui vendent ces scripts avec de l'argent. Mais à la fin, vous avez trouvé que ça marche pas. Voilà. Alors, ne laissez pas des commentaires comme ça. Moi, j'ai jamais dit que ça marche. Ok? Pour les scripts, ça marche pas pour moi. Et même pour le prédicteur aviateur que je vais vous donner maintenant, je vous dis toujours que ça marche pas. C'est justement une arnaque pour que les gens profitent de leurs frères, etc. Ok? Mais j'ai cherché, j'ai trouvé le mot de passe et les mails. Mais à la fin, c'est justement une arnaque. Ok? Je vais partager avec vous tout ça et comment l'installer parce que vous devez supprimer l'ancienne version et installer la nouvelle version. D'accord? Alors, voilà. Alors, je vais justement. Voilà, alors première chose, vous devez désinstaller la version précédente que vous avez sur votre téléphone. On attend quelques secondes. Voilà, le programme a été désinstallé, ou l'application. Maintenant. Désolé, je crois que mon téléphone a été désactivé. Et désolé, j'ai pas fait attention. D'accord. Continue. Alors. Voilà, moi, le programme ici, l'application d'ici. On va l'installer. Vous allez trouver, vous devez suivre la vidéo pour avoir le mot de passe, pour l'écrire. Je vais vous laisser sur la vidéo.
Comme toujours, s'il vous plaît, écoutez très bien la vidéo. Moi, je ne dis pas que le programme fonctionne. Le programme ne fonctionne pas parce qu'il y en a des arnaqueurs qui arnaquent leurs frères pour l'argent. Il leur dit, je vais vous vendre l'application, ça fait 50 euros, 100 euros. Bon, d'accord, tu vas payer 50 euros. Ensuite, il va t'envoyer l'application. Ensuite, boum, il va te demander un email et un mot de passe. Tu vas lui contacter. Il va te dire, ben, si tu veux l'email et le mot de passe, tu dois payer plus. Combien? Tu dois payer encore 50 euros, 100 euros, je sais pas. Mais je vois qu'il demande plus. Il demande jusqu'à 300 euros. Moi, j'ai testé ces gens-là, tu vois. Mais j'ai pas besoin d'acheter comme ces trucs-là que ça marche pas. Alors, tu vas lui envoyer 300 euros, il va t'envoyer un mot de passe qui ne va pas fonctionner ou qui va fonctionner, mais il va te donner la même chose qu'il va te donner ce programme que je vais vous donner actuellement. Alors, ce n'est pas la peine de chercher ou d'acheter des scripts comme ça ou des applications parce que ça ne fonctionne pas. Arrêtez de perdre votre temps. Sinon, il y en a des gens qui me demandent le script de Gold, de Dragon Gold, je crois. Je crois que ça fonctionne, mais franchement, je l'ai pas encore trouvé. Je le cherche, je cherche. Si je le trouvais, alors ça sera gratuit, bien sûr. Je vais vous lancer ici sur ma chaîne YouTube. D'accord. Alors pour les mails et mots de passe, presque j'ai trouvé à peu près de comptes, mais bon. Ok. Alors, le premier compte, c'est excusez-moi, je vais justement activer le clavier. Alors, le premier compte, c'est Martin Sagi. @gmail.com ou gmail.com. Le mot de passe, c'est Muco Maritime. Passe 1, 2, 3. Connexion. On va rien toucher. Mot de passe erroné. Alors, je crois qu'on a fait une petite erreur. C'est Martine et pas Maritine. Ici, on a fait une petite erreur. Comme ça. Alors regardez, comme vous voyez, c'est comme ça la surface de l'application. Vous arrivez jusqu'à là, vous dites que tout va bien, d'accord. Alors vous allez choisir votre plateforme où vous jouez sur les paris sportifs, OneWheel, OneXBet ou BetWinner. Bon, tout le monde joue sur OneXBet la plupart. Et on clique. C'est la même chose qu'ils font les arnaqueurs. Ils vous montrent comme ça, mais à la fin, ils s'arrêtent ici. Tu vois, quand il clique sur Star, bon, il change justement l'interface avec des photos, avec une vidéo que tout le monde peut faire ou tout le monde peut créer. Alors, regardez, on clique sur Star, on attend quelques secondes et on reçoit un message qu'il y a un bug sur l'application. Vous voyez, alors alerte serveur bloqué. Ça veut dire que ça marche pas. Alors, quand vous cliquez sur activer le serveur de protecteur, alors vous allez être dirigé pour contacter sur Telegram ou je sais pas sur notre plateforme de communication. Mais ça marche pas, d'accord. Ne perdez pas votre temps. Si quelqu'un arrivait de l'activer, bon, ça sera bien pour lui. Mais si quelqu'un vous vend l'application, c'est la même chose. Croyez-moi, c'est la même chose que vous allez recevoir. Il n'y a pas quelque chose d'autre.
c'est la même chose, c'est la même application. Ça veut dire, n'essayez pas d'acheter quelque chose que ça fonctionne pas. Moi, si j'avais quelque chose à vendre, je le vends. Si c'est moi que je l'ai créé, je le vends parce que je sais que ça marche. Mais comme ces petits trucs-là, non, 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 ça marche pas. Vraiment, ça marche pas. J'espère que vous allez comprendre mon message. Et pour le premier compte, c'est celui-là que je viens d'ouvrir l'application. Et je vais vous écrire un deuxième compte. Je vais vous laisser à la fin de la vidéo. Bon, voilà. J'espère que vous avez compris mon message. Les applications, les scripts de OneXBet, etc., ça marche pas définitivement. Arrêtez d'acheter des trucs que ça fonctionne pas. Vous allez justement perdre votre argent, vous allez perdre votre temps et vous n'allez rien profiter. D'accord? Alors n'hésitez pas de laisser un like, n'hésitez pas de laisser un commentaire si vous avez soupçonné de quelque chose que ça fonctionne pas, ou je sais pas, si vous avez trouvé des problèmes avec l'installation du programme ou de l'application, et ou avec le mot de passe ou avec le compte. Je vous souhaite une belle soirée et une bonne chance.